les princesses. Millie, je t'ai laissé deux jolies robes sur ton lit. Elles sont trop petites pour tes sœurs maintenant. Salut, tout va bien, Millie? Mon père veut que je porte les vieilles robes de Marie et Antoinette, mais j'en voudrais une rien comme moi. Je rêve, t'as entendu ça, Marie? Millie trouve que nos robes sont pas assez bien pour elle. C'est dommage, Millie. C'est toujours comme ça que ça se passe quand on est la petite sœur. Petite clé, tu as brillé. Les amis partent tous sur Magiki. Princesse Millie n'acceptera jamais une telle proposition. Enfin, ne faites pas votre poule mouillée. Bien sûr que si, elle va accepter. Eh oh, je suis là, juste devant vous. Qu'est-ce que je devrais accepter ou pas? Oh, les princesses jumelles veulent faire une course de carrosse contre vous. Une course! Ça a l'air super amusant. Oh, pas si vite, princesse. Ce que Lady Fiona a omis de vous dire, c'est que le perdant de cette course de carrosse devra laisser tout son royaume au vainqueur. Tu veux dire le quitter pour toujours? Oui, mais n'oubliez pas qui tire le carrosse des princesses jumelles. C'est Ney, vous savez, l'escargot. Elles n'ont aucune chance de gagner. Bien sûr, il a raison. Je pourrais gagner cette course en galopant à l'envers. On ne peut pas risquer de perdre le royaume simplement pour une course. Mais imaginez un peu si on gagne et on est sûr de gagner. Du coup, on serait enfin débarrassé des princesses jumelles pour toujours. Oh, s'il vous plaît, princesse, dites oui. Mais si nous perdons, nous devrons tous quitter le royaume et Magiki. Allez dire aux princesses jumelles que nous acceptons leur défi. Oui. Je sais, c'est une bonne idée. On devrait peut-être mettre de nouveaux pneus pour que le carrosse aille super vite. Tu n'as même pas besoin de pneus pour gagner contre cet escargot. Qu'est-ce qui ne va pas, Sydney? Je viens de perdre mon travail. Les princesses jumelles m'ont dit qu'elles ne voulaient plus de moi. Oh, ne t'en fais pas, Sydney. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu voudras. Attends une seconde. Si ce n'est plus toi qui tire le carrosse des jumelles, alors c'est qui? Elles m'ont remplacé par un tout nouveau cheval de course. Un cheval de course? Oui. Mais les chevaux de course sont beaucoup plus rapides que les licornes. Oh, c'est trop de pression pour moi. Yeehaw! Yeehaw! Waouh, c'est vrai qu'il est super rapide, ce cheval. Peut-être que l'on devrait dès à présent faire nos valises. N'ayez pas peur, comtesse Elisabeth. Avec un peu d'entraînement, Fiona pourra galoper aussi vite que lui, j'en suis sûre. C'est évident, je vais le battre, ce poney. C'est génial, on va tous t'aider à t'entraîner pour la course. Ok, commençons par une série de pompes. Oula. Faire cette course, alors les princesses jumelles vont automatiquement gagner. Oh, je suis vraiment désolée. Oh. Tout est de ma faute. Ce n'est la faute de personne, Sydney. Ce n'était qu'un accident, ça arrive. Parfois même deux fois de suite. On trouvera quelqu'un d'autre pour la remplacer.
Mais qui, à part Fiona, la seule personne parmi nous qui peut tirer un carrosse, c'est Sydney. Thomas a raison, Sydney n'a qu'à remplacer Fiona et faire la course à sa place. Qu'en penses-tu, Sydney? Quoi? Vraiment? Vous me laisseriez faire la course pour vous? Absolument. Il nous suffit d'aller de notre château au royaume des jumelles. Et toi, tu connais tous les raccourcis. Ce serait un immense honneur pour moi de tirer votre carrosse, Votre Altesse. Je vais aller chercher mes lunettes de course. Bon, eh bien, adieu, merveilleux château. C'est un honneur de t'avoir connu. Enfin, ne faites pas cette tête. Sydney est notre ami et il a besoin de prendre confiance. Alors il faut lui montrer qu'on croit tous en lui et qu'on est là pour l'encourager. Ouais. C'était peut-être une mauvaise idée. N'oubliez pas, on a un avantage. Personne ne connaît mieux les raccourcis de Magiki que toi. Je suis sûre que tu peux y arriver. Pas de l'air. Poche à ta bête, passe à ta pain. Super Sydney, vas-y, continue. À ce rythme, ça va nous prendre des heures. Bah, au moins on avance. Une occasion en or, profitons-en. Attachez vos ceintures, c'est parti, Votre Altesse. Je vais maintenant passer à la vitesse supérieure. Allez, allez, plus vite, plus vite. Oh, je ne peux pas regarder. C'est pas bon signe du tout, non? Allez, plus vite! C'est ça, plus vite, plus vite! Qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi elles restent derrière nous au lieu de nous dépasser? À mon avis, elles nous suivent parce qu'elles savent que Sydney connaît tous les raccourcis. Après, elles vont essayer de nous doubler, c'est sûr. Eh bien, elles ne vont plus nous suivre très longtemps. Très bien, on passe par la route. Ton raccourci nous a fait gagner énormément de temps. Mais c'est quoi cette espèce de poney qui glisse juste avant la ligne d'arrivée? Reviens ici tout de suite, Flash. T'as pas le droit d'abandonner. Super Sydney. Champonnette à la banane. On a gagné. T'as été vraiment fabuleux, Sydney. Génial, je savais que vous pouviez y arriver. Non, pas du tout. Sois gentil, ne gâche pas un moment aussi joyeux. Vous allez devoir quitter votre royaume, mesdemoiselles les perdantes. Si je me souviens bien, c'est ce qui était prévu en cas de défaite, n'est-ce pas? Eh oui, c'est le règlement. De toute façon, on n'a plus du tout envie de vivre ici maintenant. Je vous propose un marché. Vous pouvez rester à condition que vous vous excusiez auprès de Sydney et que vous lui rendiez son travail.
Alors? Je me voyais déjà débarrasser des princesses jumelles pour toujours. Mais il a fallu qu'elle brise mon rêve. Sydney, tu veux bien revenir avec nous pour tirer notre carrosse? Je pensais que vous n'alliez jamais me reprendre. Et merci d'avoir cru en moi, princesse Millie. Tout ça, c'est grâce à vous. On a beaucoup de chance d'avoir une princesse comme toi. La vraie chance, c'est de vous avoir, vous et Magiki. Et voilà, j'ai fini. J'ai cousu deux robes ensemble pour en faire une nouvelle. Waouh, c'est super cool. Donne-la nous, Millie. Tu l'as faite avec nos robes, je te signale. Non, papa me les a données. Vous aviez même dit que vous les vouliez plus. C'est vrai, tu as raison. Mais elle est beaucoup plus jolie, la robe que tu as cousue. Merci. Il y a plein d'autres robes dans notre placard qu'on met plus. Tu peux nous montrer comment en coudre de nouvelles comme la tienne? Seulement si vous me promettez de plus être aussi méchante. On va essayer.